Mais voilà les gens, j'ai fait quelques petits réglages parce que dans ce passage là, j'ai l'impression que j'avais fait des réglages, mon dieu. Là ça rame pas. Là ça rame pas. Là ça rame vite fait. Ça rame pas. What the fuck? Des fois ça rame, des fois ça rame. Je ne sais pas. Mais j'ai changé quelques petites options. J'ai mis les paramètres d'émulation sur le plus sûr pour pas que les jeux crachent, mais j'ai fait en fait recommander pour que ce soit quand même un peu plus rapide. Je suis revenu ici parce qu'en fait j'ai fait m'étais baladé dans le cratère, etc. Il y avait rien d'intéressant et tout, et le jeu ramait comme pas possible. Donc yo les gens, j'espère que vous allez bien, c'est ItoliEcho pour notre épisode 4 sur le let's play de Shin Megami Tensei Digital Devil Saga. Et voilà, j'espère que vous aimez toujours ce let's play. Je n'ai pas mangé. Sur la sauvegarde, il y a marqué 2h40 parce que j'ai laissé tourner le jeu. Et sinon, c'est voilà. Et on est ici, Sarah, bring her to Nirvana. Is that all she had to say? Angel. I do not know this name. Donc, les personnes qui sont là ne connaissent pas ni ce que c'est un démon, ni un ange. Ok. Et donc, on doit amener Sarah là-bas pour avoir des réponses. Je vous avais dit que Sarah, ça fait Séraphin. Ouais, qu'est-ce qu'on fait, ça c'est vrai. J'adore cet écran qui tremble aussi, c'est génial. Surtout que j'ai vu pour l'épisode 1, YouTube n'avait pas réglé le problème. Merci YouTube. Alors soit on se rend en Nirvana. Et donc si on se rend en Nirvana, donc on doit leur apporter Sarah et on doit vaincre toutes les autres tribus. Je sais rien. On est le chef quand même de la tribu, on doit se montrer fort. Mais qu'est-ce que je sais, qu'est-ce qu'il faut faire? Il me faut plus de trucs, parce qu'il faut pas juste qu'un ange apparaisse là. What's there to think about? We'll crush the other tribes and reach Nirvana. Ah, et toi tu veux vraiment ça et... By using this new power. Tu penses? I have no objections. Our goal remains the same. I am in Sarah's debt. I just want to be normal. I'll do anything to find a cure for this curse. Ouf, ça a accéléré d'un coup. It is decided. Allow me to propose a plan. Comment ça c'est décidé? Wow. Hey. C'est moi le chef ou c'est pas moi le chef? Alors. As we are aware, there is only one way to reach Nirvana. Aucune seule manière d'atteindre le Nirvana. That is to defeat the five other ruling tribes. Ouais. And present ourselves to the temple. Ouais. Ça a l'air logique. The brutes is presently struggling against the wolves. It is unclear whether the solids or Maribel pose the next greatest threat. As for us, though we defeated the vanguards, we are severely lacking in manpower. Who cares? We'll devour them one by one. It, il est vraiment trop à fond. Il veut tout bouffer. If we feign an alliance with one of the weaker tribes and defeat their rival, we can then work. Oh. Donc à la fin, tout le monde se fait bouffer. We're going to side with our enemy? Until now, the tribes have relied solely on their own strength and resources. Et pourquoi on ne s'allierait pas tous et faire une seule grande tribu? So our enemy's enemy is our friend? Ouais, c'est ça l'expression. You've certainly changed. You are the ones who have changed.
Your emotions have clearly become unstable. Ah, ça c'est sûr, chose oui. Mais toi tu comprends rien, de façon. What about Sarah then? Oui. I'm sure everyone's hot on her trail by now. Ouais, tout le monde veut Sarah. C'est ce qui permet aussi d'atteindre le Nirvana. She'll remain here. No one knows of her whereabouts. Ah. Hereafter, we should institute a policy of silence regarding Sarah's existence. What is our leader's decision? Ok. Donc, soit on aide une tribu sans les trahir, soit on fait le plan. Je vais prendre le premier. You're too naive. Ouais, je suis trop naïf, mais bon. Kill them before they kill us. Essayons. Le dialogue. First, we head to the Maribel's territory. Lost, but the individual members are weak. Ouais, c'est cet écran qui a un peu bugué. It is advantageous for them to accept us, and defeating them will not pose a problem. C'était mon idée. Bon, là ça rame plus, mais je vois pourquoi mon systématique ça ramait un peu. Ça va, Sarah ? Ouais, je vais bien, juste un petit mal de crâne. J'ai juste envie qu'on soit ensemble. Ne fais rien de dangereux. Bah oui, t'inquiète pas, hein. Il y a juste ça à hit. Alors. Ok, ok. Bon, ok, bah crève pas. Toi, Silo. Fais gaffe. Et Gale, essaie de comprendre des trucs. Donc ouais, on ne sait pas ce que c'est des démons ou des anges. Intéressant. Mais pourtant, on veut atteindre le Nirvana. Il faudrait... Pourquoi je rame ? Il semblait que... Rien n'a changé. Même couloir qu'avant. Je vais dire quoi ? Parce que il faudrait remonter à la source de leur conflit. Je veux tous se battre pour le Nirvana. Mais pourquoi ? Pourquoi ils se battent en premier lieu ? Pourquoi ces tribus existent ? On sait juste qu'on est là. Qu'à 6 tribus et les meilleurs attendant le Nirvana. C'est que. Waouh, calme. Calme, jeu. Ouais. C'est quand même bizarre. Donc, on va chez les Maribel avec la meuf, avec sa marque au cul. Ça rame pas. Oh. Très bien. Des punks. C'est pas des punks à chien, mais presque. Mon dieu. On se croirait dans Jojo. Pas dans Jojo, dans ce silote là, le clown dans Interact Center. How else could you have made it this far? So then, you're the same as us. Not just me. Nearly all of us have changed. Soon everyone in the junkyard will be this way. The war will escalate. God has cursed us all. What's cursed? Who is this god? Wow. Okay. I do not know. The thought appeared in my mind. D'accord. Donc vraiment, j'ai l'impression que ça fait pourquoi ils se battent. Are you sad? What is sad? Oh. I'm not sure. You just seem that way. Wow. Donc c'est ça cet univers. Many of us have died due to this unexplained power. If my reaction is sad, then yes, I am sad.
Je pense que j'ai pas besoin de traduire. Explain your business. Ah bah ouais. Tout veut dire. On est là pour vous aider contre les solides. But first of all, you must prove that you are worthy of fighting alongside the Maribel. Ah bon. Comment ça? Wait, Janana. Mais mon dieu, cette marque quoi, je veux dire, c'est ridicule. The tribe is hungry. I'll be waiting for you. If you can survive. C'est ridicule cette marque. Mais un slip, hein, mais quelque chose de qui couvre plus quand même. Et toi? Alors, ce que tu vas te prendre, toi? Dans la gueule, bien sûr. Oh. Soyons corrects. Donc. Faut qu'on survive, on dirait. Bonjour. Merci. Merci. Bien sûr. Bien sûr que vous allez nous battre. Mais je dois faire quoi, là? Alors, pars maintenant, vous mourrez. Je vais pas mourir, je vais vous exploser la gueule. Allô? A-t-il quelque chose par ici? Mon dieu. On peut sortir. Mais sortir pour où? On sait pas, on sait qu'il y a une sortie. Et l'entrée. Oh, changement de musique. Un jeu qui ne rame pas. Ça fait plaisir. Hein. Qu'est-ce que c'est? Oh, j'aime de pour ressusciter. Je pense que c'est... Oh, d'accord. Je pense qu'en fait ça ressuscite mes full vie. Je pense. Changement de musique, ouais. Qu'est-ce que fait un char là? Un véhicule blindé. Donc il y a des véhicules. C'est vraiment pas dans quel contexte ça se passe. Ces décors, ça fait. Quoi sert cette salle? Rien. Hein? Pourquoi pas? Donc là, logiquement, on rentre et nous attaque. Mais on sait qu'on leur démonte la gueule pour dire « Ah, quand même, on est fort !» Ok. Ils ont faim. Statue. Il n'y a pas marqué s'ils ont faim ou pas. Bon, ça serait bien par contre, Argila, si tu pouvais level up. Enfin, gagner des sorts. Ça serait cool, ça. Sauvegardation. Oui, ça se dit, maintenant. Parce que Argila, qui a toujours pas appris ses sorts, là, ça... Ça commence à bien faire. Ah! C'est bien enfermé. Très bien. Donc, scénarium, sûrement. Vendeur. Ah, voir ce qu'il vend. C'est un peu bête comme phrase, mais bon. Ah ah! On va prendre deux de chaque. Même si l'argent, c'est quand même important pour avoir les nouvelles compétences. Oh, Molotov. Ça, c'est pas très intéressant. On peut acheter... Waouh! Ça coûte tellement cher que je pourrais le vendre au pire. Le charge shot que j'ai drop. Combat! Ah oui, ça j'avais compris, ça... Fin. Merde! Fuck! Fais un critique, s'il te plaît. Non. Oh, mais salaud! Pourquoi pas? Allez! En fait, ou peut-être que je devrais y mettre les trucs de la chasse. Ah, Argila. Avec juste son attaque d'IA et tout,
Pas ouf, hein. Est-ce que ça passe? Ah, passe pas. Allez. Ça a augmenté de tellement rien l'Atma là. Alors j'ai fait deux dévorés. Hein. Et surtout que là pour Hit, je lui ai pas mis dévoré. Waouh, calme-toi jeu. Parce qu'en fait des fois le jeu rame parce qu'il va au-dessus de 60 images par seconde. Et ça je n'aime pas. Elle leur dit les choses. Une petite critique qui passe bien. Et là je pensais que je peux le dévorer. Tranquille. Non. Très tranquille ça. Coûte quand même un peu de vie à chaque fois que je le dévorer. Ah si, ça augmente quand même un peu des mambistes. Vite fait, hein. Oh, c'est beau ça. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, on est à moitié. On va juste... j'ai envie d'économiser le mana de Argila. Puis qu'elle a, elle a quand même un bon soin. Mais je préfère quand même qu'elle garde le mana. Quand enfin elle va gagner ses sorts offensifs. Et oui, et je... Donc je ne prends pas le... Wake up, parce que bah, j'ai pas assez de trucs de soleil là. Donc ça va faire ça. Allez. Donc, quand on absorbe une de leurs attaques aussi, enfin, soit quand on fait double faiblesse, on absorbe, enfin ils ont peur, quand on absorbe, on a une de leurs faiblesses, vous avez compris. Vous avez compris. Je mets bien le décor. Musique un peu plus oppressante. Vraiment? C'est possible ça? Je sais pas quel sort il a fait, mais il a fait un sort. Ah! Enfin! Terra! Merci, mon dieu! Ah ouais. Terra. Et elle a pris Void Earth. Mais mon dieu, on... On va enlever ça. Et on va dire qu'on va apprendre par nous-mêmes. Mais bloqué à 4 sorts. C'est horrible. Ah bon? Pourquoi je rame là? Je suis dans un menu là. Donc ouais, c'est... Et ça, c'est plus que 2 personnes. Ok, c'est très intéressant. Parce que ça fait
que mon perso connaît Mabufu. Mon perso connaît Mabufu sans l'avoir appris. De toute façon, je pense qu'après, je vais remplacer Bufu par Mabufu. Sur la glace de zone. Là, ça utilise deux personnes, quand même. En plus, quand même pas, mon dieu. Il n'y a pas de critique ou quoi? Ah, très bien. Et on va essayer Terra, voir ce que ça donne comme ça. Ouh, il craint! Bien joué! Il y a quand même la classe argile. Hein. Pas ce fou furieux de hit là. Bon, il est fort, c'est sûr. Mais il est fou. Oh! C'est cool ça. Crossfire! Release, release. T'as comment one-shoté quelqu'un? Ouf, ça devient dangereux. Ça devient dangereux. Ça touche tout le monde, ça. En plus, c'est une mission spéciale. Et après, faut que je vérifie si peut-être ils prennent plus de dégâts quand ils sont pas transformés. Ah ouais, on prend beaucoup plus cher. Hein. J'ai l'impression qu'on prend plus cher quand on n'est pas transformé. Après lui, il est tank. Hein. Attends. Je sais pas si je pourrais me soigner en route en fait. Mais le crossfire quand même, c'est pété. Oh, 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 là, 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 là. Hop, le PEV quoi, le spartiate. Tiens le coup. Et toi finis-le s'il te plaît. What the fuck? Leave me alone. Prends-toi ça. Ah oui, et toi hein. Ouais. Ah tiens, hein, ouais, tiens. Le comp... Le... What? Hein? What? What? Waouh! Rien compris! J'ai rien compris! Mais pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Allez, full vie! Waouh, ce combat! Ce combat! Allez, on se dit, il n'y a pas de combat jusqu'à la salle de sauvegarde! Allez! En fait, on peut pas se soigner là. Si ? Non ? Ah, si, on peut se soigner. Encore heureux. Et donc, je vais faire Get Mantra. Pour Argila. Parce que maintenant, il faut. Aliment. Eh non, Ailment Inducing Skill. C'est quoi ? Ok, donc c'est plus le support. Alors que là, c'est vraiment pour les gros sorts de soins. Posu Moody, je crois que c'est un sort de mort. Et bien sûr, ça, c'est Matera, donc les gros sorts de terre. Je pourrais lui faire Dévoreur.
pour qu'elle augmente plus rapidement. Mais vu qu'elle est pas physique, je vois pas trop l'intérêt. Je vais plutôt la spécialiser vraiment soin. Je me demande ça, c'est quoi. Je pense que c'est peut-être des mantras. Je pense que ça va être des mantras. Oh putain, c'est pas... What? 10 000! Waouh! Ah ouais! Bon, en attendant, on va faire Matera. Et on va économiser hein, pour... Je vais faire... Dragon. En fait, le truc, c'est que je sais pas si il y aura d'autres persos avec nous. Je vais avoir du dragon... Enfin, du... De la force. C'est vraiment cool. Glace, on a. Feu, on a. Bolt. Je pense que c'est Cielo. Je sais pas. Mais je peux pas la laisser sans rien. Donc ouais, je vais plutôt aller vers Matera. On va faire ça, plutôt. Cher. Mon dieu. Et on va sauvegarder. Et je vais vous laisser là, les gens. Je sais pas combien de temps ça fait que je filme, mais je pense que ça va être largement assez. On va sauvegarder là. Et je vais mettre mon ordi à reposer pour que le prochain épisode... J'espère que ça ne ramènera pas. Donc, j'espère que vous appréciez cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Ciao et surtout, je veux bien. Bye bye. They say humans are social.